yangande ko mbote biso na bino to batila mami na document oyo document oyo to bengi yango compromis de vente yango eza contrat o eza ko protéger yo pe eza ko protéger biso objectif habitat na kati ya contrat na biso na 6e article na yango balobi yete na suka sanza nyonso ndeko yo lapinda yete okopesa kambongo na yo ya syndic mbongo ya syndic eza pona nini eza pona entretien ya concession eza pona garde ya concession bato mingi bakindaka na basite mwa moseka tobi ete tozalaka na bapolisier tozalaka na bagarde nyonso wana eza na kati ya frais ya syndic pona concession na yo ezala kitoko pona banzela ezala claire pona matiti ezala te pona bapolisier bazala pona sécurité esengaka ke mbongo ya syndic wana epesama kasi ndeko ozolanda biso depuis osomba na 2020 depuis osomba na 2021 est-ce que oza en ordre na ba frais ya syndic toyebite frais ya syndic ezalaka $20 le mois pe $240 l'année yango sika objectif habitat ebeleli na bakereur na enyonso mutu nyonso ayebiki asomba na cité mama mosika oyo aza en ordre na bapaiement nyonso oyo esi asilisa oyo aza kokontinue na nyongo to pe oyo aza kutu deja na mikanda oyo asalaki mutation a partir ya lundi mutu akozala en ordre te na frais ya syndic akozala lisusu na accès na bacité mama mosika te to précise a partir ya lundi accès epekisami na ndeko nyonso aza en ordre te na 6e article ya compromis de vente na biso akozala lisusu na accès na kati ya cité mama mosika te tokopesa bato ba badge tokopesa bato ba document oyo ekozala kopesa yo autorisation ya kokende na kati ya cité ya kolakisa ba policier ya kolakisa ba garde po te ba mona ke yo oza en ordre pe ozala na kati ya accès tobongisa mosala na biso po mboka ekende liboso mpona nyonso objectif ekoba kosepelisa bino baoyo ayeba acquéreur merci. Objectif habitat, votre objectif. Changement de la Constitution, y a-t-il opportunité, formation du gouvernement, qu'est-ce qui bloque et quand ce gouvernement sera là, comment ne pas tomber dans les erreurs du passé? Mesdames et messieurs, ce sont les deux sujets qui feront l'objet de cette émission de ce lundi 27 mai 2024. Bienvenue dans Grande Tribune. Voici les questions d'actualité, alors que la porte-parole du président de la République, Tina Salama, a annoncé la publication du gouvernement Touluka imminemment, le week-end aura été on ne peut plus long. Finalement, le gouvernement post-élection ne sera pas connu de sitôt, d'après certaines indiscrétions. Cela serait dû au manque de consensus entre leaders de l'Union sacrée. Un peu plus tôt, Bernard Kayumbaka de l'Union sacrée a annoncé la publication du gouvernement le week-end dernier également. Il soulignait que la représentativité de chaque province a été prise en compte et les chefs de regroupement politique feront partie de ce gouvernement. Claudel Louba et Seth Ikouni appellent à la mise en place d'un cadre de concertation afin de construire une alternative destinée à stopper la dictature qui s'enracine, estimant que les institutions de l'État sont détournées à des fins de satisfaction personnelle et de dévotion monarchique du pouvoir. Un incendie d'origine inconnue qui s'est déclaré hier entre 19h et 23h au marché municipal de Matete a tout dévasté sur son passage, y compris le foyer, l'ancienne école de conférences de cette commune. Heureusement, selon le bilan des pompiers, aucune perte en vie humaine n'a été déplorée. Emmanuel Ramazani Shadari, secrétaire permanent du PPRD, est sorti de son silence au sujet particulièrement du changement de la Constitution. Si on parvenait à changer la Constitution, les conséquences seront incalculable. Je ne pense pas que la Constitution pose problème. C'est une Constitution équilibrée. Ce n'est pas la Constitution qui vous demande de détourner, notamment l'argent de la République. Merci de nous faire confiance. C'est
Ce sont là les quelques questions d'actualité qu'on a retenues pour vous, mesdames et messieurs, formation du gouvernement. Tout le monde était scotché hier devant la télévision nationale jusqu'aux petites heures du matin, mais finalement, la publication du gouvernement n'a pas eu lieu pendant qu'on voyait déjà que la mise en place était terminée au Palais de la Nation. La RTNC était sur place. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Les questions restent posées. Trois invités sur ce plateau par ordre d'arrivée. Monsieur Yves Badjoko, bienvenue dans Grande Tribune. Vous êtes secrétaire national en charge de la jeunesse de l'ECIDE. Bienvenue dans Grande Tribune. Bonjour Dan, bonjour invité, bonjour aux téléspectateurs. Merci pour l'invitation. Je vous en prie. Monsieur Trésor Kalala, vous êtes président, plutôt porte-parole de l'AADC, parti politique de Madame Adèle Kabena. Bienvenue également dans Grande Tribune. Merci Monsieur Dan pour l'invitation. Comme ça a toujours été un plaisir de nous retrouver sur le plateau de Congo Buzz. Je salue mes co-débatteurs et aussi les téléspectateurs qui nous suivent. Mais il fallait aussi compléter quelque chose à ma présentation. C'est qu'au-delà d'être secrétaire national en charge de la communication et médias et porte-parole du parti AADC, cher à Madame Adèle Kabena, je suis aussi initiateur de ces grands mouvements patriotiques, sentinelle de la nation, Sénat en abrégé. Donc j'aurais bien voulu que dans votre présentation, vous puissiez aussi ajouter cet élément-là parce que ça fait partie de moi. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Mardochène Sélé, bienvenue également, président national de la Ligue des Jeunes de FIDEIC, de maman Madame Fifi Masuka. Bienvenue dans Grande Tribune. Merci Dan, merci pour l'invitation. Je salue mes deux co-débatteurs. Mon ami, ça fait longtemps, on ne s'est pas retrouvé sur ce plateau. Je suis content de partager avec lui ce plateau aujourd'hui. Alors, je m'en vais aussi saluer les Congolais de partout où ils sont, ceux qui suivent, les amoureux de cette émission. Je sais que nous sommes là pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, Monsieur Mardoché Tselé de FIDEIC, de Madame Masuka. Monsieur Yves Badjoko, toujours avec un drapeau autour de son manteau. Alors dites-nous un peu, c'est quoi, pourquoi toujours ce drapeau? Toujours avec son drapeau parce que c'est un engagement patriotique que nous prenons. Comme nous avons dit à notre dernier conseil, la République est en danger. Il faut sauver la République du danger. Les dangers aujourd'hui, c'est M. Tshisekedi. Et ceci prouve notre attachement et notre combat que nous menons contre la dictature qui s'installe, contre le clientélisme, contre le tribalisme, contre le népotisme, l'incompétence à tous les niveaux. Et voilà, c'est un engagement que nous donnons. Et c'est un engagement pour redonner de la dignité à notre pays, parce que lorsqu'on voit des individus tels que Mbosso, qui a été patron d'une institution, se battre pour revenir dans une fonction subalterne, eh ben, ça nous pose problème. Lorsqu'on voit Mme Masuka qui se bat pour avoir 4 postes de responsabilité dans le domaine public à elle-même, alors qu'il y a mon ami qui est là, qui aurait pu occuper une fonction, compétir pour une fonction. Malheureusement, il fallait que ce soit seule Mme Masuka. Est-ce que vous êtes... Donc nous nous battons contre ces antivaleurs et nous voulons indiquer que dans cette République, il y a encore des gens dignes, il y a encore des gens sérieux qui peuvent porter le combat, échanger, transformer le pays et l'homme. Claudel Loubaé Setikouni appelle à la mise en place d'un cadre de concertation afin de construire une alternative destinée à stopper la dictature. Est-ce que vous êtes partant pour ce cadre de concertation? Mais voilà, quand je parle encore de dignité, M. Loubaïa, je pense qu'en 2018, il était avec nous dans la Mouka, mais il fait partie de ceux qui ont fait la campagne de M. Tshisekedi alors qu'ils étaient dans la Mouka, parce qu'ils étaient candidats dans un fief de M. Tshisekedi et aller à l'encontre leur vaudrait certainement un échec par rapport à l'électorat. Donc cette question de dignité se pose toujours. Et lorsque ces personnes qui revêtent cette indignité prennent des positions, ça nous pose problème. Idem pour M. Kikuni. Bon, les gens peuvent changer, mais idem pour M. Kikuni, avec qui nous nous sommes battus dans le cadre de la Mouka pour certaines questions, qui aujourd'hui fait un chemin à part pour des raisons qu'ils connaissent. Ça pose problème dans ce cadre-là. Comme j'ai dit, les gens changent, j'espère qu'ils changeront. Mais l'idée d'une concertation entre les Congolais, moi je l'ai toujours défendue. Appelez ça comme on veut, comme M. Tcholé Labé Tcholé l'a dit, consultation, dialogue, concertation entre Congolais, je pense que c'est l'élément fondamental, c'est la plaque tournante autour de laquelle nous devrions nous baser pour changer le devenir et la destinée de notre République. Merci beaucoup, M. Yves Badjoko. M. Trésor Kalala, vous êtes de l'Union Sacrée.
Qu'est-ce qui se passe finalement? Qu'est-ce qui bloque la sortie du gouvernement, selon vous? Bon, d'abord, selon ce qui apparaît, il semblait qu'il fallait que le bureau de l'Assemblée nationale, le bureau définitif, soit installé. Comme vous le savez, le gouvernement est investi, n'est-ce pas, par le Parlement. Et aussi longtemps que le Parlement n'est pas encore bien structuré, notamment le bureau définitif, logiquement, le gouvernement ne peut pas être investi parce que la loi le veut ainsi. Mais au-delà de ça, j'aimerais être lucide, hein, dans ma façon de réfléchir. Je me dis, pendant qu'il y avait des tractations au niveau du Parlement, eh ben, on pouvait déjà s'organiser pour comment mettre en place les animateurs du gouvernement, dans le sens, une fois que le bureau définitif est installé, le lendemain, on peut avoir un gouvernement. Alors, qu'est-ce que moi, je comprends par ça? Je comprends qu'ici, il y a des appétits politiques. C'est ça qui bloque le gouvernement. Quand j'essaye d'analyser ou d'observer la scène politique et surtout ce qui est en train de se passer, vous savez, il y a déjà un débat sur le poids politique. Il y a un débat sur le nombre de députés nationaux, provinciaux et tout. Pesez votre poids politique afin de bénéficier d'un ministère ou de deux ministères. Donc, moi, je crois que si ça traîne, la question, c'est autour de la gestion des ambitions. Voilà. La gestion des ambitions. Non, écoutez, c'est 50-50. Vous savez, avec notre régime semi-parlementaire... À ce jour, ce week-end qu'on a... On a vu tout être installé, les journalistes, Madame Tina Salama, porte-parole du chef de l'État, elle était là, elle essayait même le micro, la technique, tout était déjà là, tout était parfait au Palais de la Nation. Bon, il semble déjà pour cette petite vidéo que c'était une ancienne vidéo, c'était le jour qu'on devait nommer Madame Toulouka, mais au-delà de ça, comme j'étais en train de le dire, ici, c'est une question de gestion des ambitions. Je viens d'avoir une indiscrétion ici de la part d'un ami des FDC. Il semblerait que UNC, avec Vital Kamerhe, ne veulent pas de trois ministres qu'on les a accordés. Pour eux, ils veulent un quota assez élevé. Et il y a un peu de tractation comme ça, il y a des débats comme ça. Donc c'est la gestion des ambitions qui est en train de faire ce que le gouvernement ne sorte tout pas. Un pays. Effectivement, moi je suis avec vous. Je suis avec vous et je suis avec l'opinion. Ce sont des antivaleurs. Ce n'est pas parce que je soutiens le président de la République et je dois tout tolérer. Ce sont des antivaleurs qu'il faut combattre. Ce n'est pas normal. Donc, la gestion des ambitions doit être mesurée. Mais il y a des gens qui viennent avec des ambitions démesurées et malheureusement... Ça bloque les pays et c'est pas normal. Et aussi, nous avons un président qui est un peu trop tolérant. Trop tolérant. Mais c'est pas bon. Moi, je crois qu'à un certain moment, il doit taper du poing sur la table et faire avancer le pays. Parce que là, nous sommes bloqués. Le gouvernement ne sort pas parce qu'il y a des gens qui ont des appétits outre mesure, qui ont des ambitions outre mesure, qui doivent être bien gérés. Donc, pour finir, le gouvernement, en principe, devait sortir depuis longtemps. À mon humble avis, ou quand j'essaie d'analyser la scène politique, je constate qu'il y a un sérieux problème de gestion des ambitions qui doit être bien géré. Mais au-delà de tout, le président de la République, en tant que garant de la nation, selon que l'article 69 le lui confère, il doit taper du poing sur la table pour mettre fin à cette histoire afin qu'on puisse avancer. Afin qu'on puisse avancer. Merci bien, monsieur Trésor Talala. Monsieur Mardochien, c'est à vous. Selon vous, c'est quoi le problème essentiel au sein de l'Union Sacrée qui bloque la sortie du gouvernement jusqu'au jour d'aujourd'hui? Merci, Dan. Contrairement à ce que les amis venaient d'énumérer ici, moi, je vais quand même essayer de mettre un avis tout à fait contraire. Je suis d'accord avec eux sur quelques points. Le pays est réglementé. Nous avons une constitution à la base, nous avons des lois, nous avons des règlements de l'intérieur, par exemple à l'Assemblée nationale, même au Sénat et d'autres institutions, ouais. Il y a des institutions-mécanismes. C'est sur base de ce mécanisme que les institutions marchent. Qu'est-ce qui se passe? Même dans le partage du gâteau, je veux dire, le partage, selon le poids politique, il y a des principes établis, n'est-ce pas, ouais. Pour que celui-ci mérite, c'est autant, l'autre mérite autant, ainsi de suite. Mais le gouvernement n'est pas bloqué. Le gouvernement n'est pas bloqué. La publication du gouvernement n'est pas bloquée.
Je veux vous expliquer quelque chose. Mais pourquoi il n'est pas là? Excusez. Récemment, secrétaire général de l'IDPS, Augustin Kabuya, était choisi informateur. Il a fait son travail. Ça date bien sûr. Il a fait son travail, il a identifié la majorité, ainsi de suite. Il y a eu même la consultation qui a suivi pour expliquer au président de regroupement comment est-ce que le regroupement serait composé. Vous avez donné, on a donné à chaque regroupement un quota. 10 députés nationaux vaut un ministre. Alors, qu'est-ce qui bloque? Alors, tout a été fait. On attendait que le bureau définitif de l'Assemblée nationale soit installé pour qu'après la publication du gouvernement, le bureau soit à mesure... C'est pour les jeudis. Bien sûr, soit à mesure, n'est-ce pas, d'investir ce gouvernement, et puis on va passer à autre chose, parce que je ne veux pas que je commence à juger le gouvernement ou l'Union sacrée par rapport aux humeurs et tout ce qui se rencontre sur les réseaux sociaux. Le travail étant fait... Depuis jeudi, nous sommes lundi aujourd'hui. Nous sommes lundi. Il y a les consultations d'Augustin Kabuya, les consultations de Mme Toulouka, oui, et les consultations du chef de l'État lui-même. Il y a 4 jours qui sont passés. Il y a 4 jours qui sont passés. Il n'y a toujours pas de gouvernement. Nous avons un grand pays. Vous comprenez? Nous avons un grand pays et beaucoup de défis qui nous attendent. Ce n'est pas parce que le bureau a été investi le jeudi, directement le vendredi ou samedi, on ne peut plus le gouvernement. Non, non. C'est un travail. On doit s'assurer que tout est terminé et on doit rendre public le gouvernement. Et je sais que dans quelques jours, on va publier. La misère dans laquelle S'il vous plaît. Kinshasa, il faut circuler à Kinshasa. Et ce n'est pas dans un mois, Dan. Ce n'est pas dans un mois ou dans 2 mois où le gouvernement serait à mesure de répondre aux besoins de la population. Mais vous savez... Le Congolais doit être conscient. C'est normal qu'il n'y ait pas de gouvernement jusqu'au jour. Non, ce n'est pas normal qu'il y ait. Moi, ce n'est pas Toulouka. Vous comprenez? Ce n'est pas Toulouka, ce n'est pas de regroupement politique. Mais le problème, c'était à l'Assemblée nationale. Et quand mon ami a dit que le chef de l'État était tolérant, moi, j'ai maugréé. Le chef de l'État a tout remis en ordre. Parce qu'il leur a donné le temps. Le chef de l'État ne peut pas commencer à donner des injonctions en désordre. Il donne. Le chef de l'État. Je n'ai pas refusé. Les institutions aussi ont une certaine indépendance. Le chef de l'État apprend à respecter sa constitution, n'est-ce pas? Selon les attributions leur reconnues. Ils doivent travailler, n'est-ce pas? Et prouver au président public qu'ils soient en mesure de résoudre quelques problèmes seuls. Vous comprenez? Alors, l'Assemblée, il y a eu un grand désordre au sein de la famille politique du chef de l'État, qui est l'Union sacrée de la nation. Parce que le présidium n'a pas tenu compte, n'est-ce pas, des quelques présidents, quelques regroupements politiques, il fallait une consultation élargie, n'est-ce pas, pour dégager un consensus afin que les tickets de l'Union sacrée de la nation au bureau définitif ne soient pas contestés. Et ces frustrations ont amené le président public à intervenir comme le numéro 1 de l'Union sacrée de la nation et la question a été résolue. L'histoire avec Bonso. Bonso, c'est un citoyen congolais. S'il vous plaît, moi je ne suis pas Bonso, mais j'ai dit, parce que moi je suis celui qui avait aussi combattu la candidature de Bonso, n'est-ce pas, bien sûr. Mais on nous a fait savoir par la fin qu'il y a un regroupement, une formation politique, n'est-ce pas, qui est parmi les top 5, n'est-ce pas, de 5 premières forces politiques au sein de l'Union sacrée qui ont porté Bonso. Ce n'est pas au nom de son poids politique seulement qu'il est là-bas. Parce que le principe, c'est qu'il faut être porté, n'est-ce pas, par un regroupement, une formation qui a du poids politique et qui a droit de participer ou soit à envoyer un candidat au bureau définitif. C'est comme ça. Bon, ça ne sert à rien. C'est déjà passé, nous avons un bureau définitif. Ce qui est important, c'est que le gouvernement sorte et que ce gouvernement soit à mesure de travailler et tenir compte des différentes difficultés dont fait la face à notre pays. Merci beaucoup, Monsieur Mardoché Ntsélé. On va prendre la première thématique. Déjà, changement de la Constitution. Est-ce qu'il y a opportunité à ce jour qu'on puisse changer la Constitution? Je veux revenir un peu sur les propos de Emmanuel Chadari. Je l'ai suivi le samedi. Il disait si on parvenait à changer la Constitution, les conséquences seront incalculables. Il parlait de quelles conséquences? On ne sait pas. Mais est-ce qu'il y a opportunité de changer la Constitution? Monsieur Yves Badjoko, votre avis à ce sujet, est-ce qu'il y a opportunité de pouvoir changer la Constitution aujourd'hui? J'aurais espéré que vous preniez la déclaration de l'ECID, de mon secrétaire général de Voski Toko, ou alors les résolutions de notre Conseil national, que de parler de M. Chadari. Ils sont à la base du désordre que nous vivons aujourd'hui. C'est eux qui ont été les auteurs du hold-up électoral de 2018 qui nous conduisent à cette situation aujourd'hui. Et ils sont très mal placés pour s'exprimer par rapport à ces questions. Et il y a quelque chose que les gens ne savent pas. Nous avons dit qu'il y avait un deal en 2018, mais que les gens semblent avoir oublié. Si aujourd'hui nous changeons la Constitution, eh bien demain, monsieur
Kabila peut se représenter. C'est le seul combat du PPRD. Ils se battent corps et âme pour ça. Et M. Tshisekedi est en train de leur offrir cette opportunité de pouvoir replacer M. Kabila, aller comme potentiel candidat pour qu'il se rêve un président à nouveau. Parce mais entre-temps, Tshisekedi lui-même peut aussi bénéficier de cette... de ce changement de la Constitution pour... Les secrets des dieux nous en diront, mais le fait est que si nous changeons la Constitution, M. Kabila aura la possibilité légitimement de se représenter, ce qui a été le seul combat du PPRD. Tout comme M. Tshisekedi. Pensez-vous qu'il n'y a pas opportunité? Mais tout comme M. Tshisekedi, bien sûr, mais est-ce qu'il le veut? Est-ce que le deal ne les emmènerait pas vers ce qu'ils sont en train de produire aujourd'hui? Eh bien, l'avenir nous dira très certainement. Vous ne croyez pas au propos de M. Chadari qui s'oppose au changement de la Constitution? J'ai dit que M. Chadari n'est pas une référence pour parler des questions de Constitution dans notre pays. Ils sont à la base, ils sont auteurs de violations de Constitution. Oui, il peut mettre son point de vue. Vous savez, dans la société, il y a des gens qui n'ont plus droit de citer. Dans des sociétés normales, il y a des gens qui n'ont plus droit de citer. Vous n'allez pas dire que M. Dutroux va prendre la parole en France pour faire un plaidoyer pour les enfants ou alors pour les personnes violées. Non. Donc il y a des gens qui devraient se taire et se taire à jamais. Malheureusement, on est dans cette république où ils émettent un avis. Mais pour revenir à cette question pour revenir, si vous me trouvez des microbes, il faut nous le dire. L'opportunité. Mais, pour revenir, je veux partir des propos de M. Tshisekedi. Parce que vous savez, dans ces débats, on engage des débats, quelquefois, sur base des éléments, des perceptions qui sont totalement erronées. M. Tshisekedi, sur une chaîne étrangère, lors de l'un de ses multiples voyages, il dit ceci. D'abord, il parle des questions de constitution, mais il parle de cette question à l'extérieur du pays. Il n'a jamais pris la parole à l'intérieur du pays pour parler de la constitution. Tout n'est pas régi par la loi. Ce qui n'est pas interdit. Il y a l'éthique et la morale. Même en politique, il y a de l'éthique et de la morale qui vous empêchent de parler de certaines choses. Donc, on ne parle pas de questions de constitution à l'extérieur de son pays. Monsieur Tshisekedi prend la parole et il dit l'un des éléments qu'il évoque, il dit voilà, parce que la question de la proportionnelle pour les pays, un aussi grand pays comme la République démocratique du Congo, pose problème. Mais où est-ce que M. Tshisekedi a vu que la question de mode de suffrage est régie à l'intérieur de la Constitution? Vous voyez que M. Tshisekedi n'a pas vraisemblablement la maîtrise de la Constitution, mais il veut la changer. Mais au-delà de ça, il y a des impératifs. Il faut au moins avoir mis en pratique cette Constitution, l'avoir respectée, l'avoir appliquée au stricto sensu avant d'avoir vu des failles et dire aujourd'hui, voilà, il y a des défaillances que nous devons corriger. Mais lorsqu'on n'a pas appliqué la Constitution, on ne l'a jamais appliquée, on a passé son temps à la violer. Vous savez, la dernière réunion de l'Union... On a passé son temps à la violer. On a passé son temps à la violer. Monsieur Tshisekedi a passé son temps à violer la Constitution. La dernière en date, c'est que lorsqu'ils se sont réunis dernièrement pour l'Union sacrée, il y avait un calendrier qui était produit pour des élections au niveau de l'Assemblée nationale. Et au sortir de cette réunion, le calendrier a été modifié. Donc vous voyez que c'est un groupe d'individus qui se permet le luxe de faire tout ce qu'ils veulent. Tout à l'heure, j'entends mes co-débatteurs en disant, voilà, il fallait absolument le bureau de l'Assemblée nationale pour avoir un gouvernement. C'est écrit où? Non, pour investir. Pour investir. Oui. Mais on n'est pas obligé d'attendre le bureau de l'Assemblée nationale pour avoir un gouvernement. Mais qui t'a dit? Vous savez pas... Il n'a pas dit ça. Mais si vous êtes... Si vous avez des éléments... lire la Constitution, si vous monsieur. Avez des éléments... Si vous avez des éléments... Il faut lire. Mais attendez, vous allez prendre la parole. Donc, sur le plan factuel, avec des éléments, des articles de la Constitution à l'appui, vous allez nous dire qu'il faut attendre l'investiture du bureau de l'Assemblée pour avoir un gouvernement. Et bien, vous nous les prouvez. Il n'y a pas de problème. Bien sûr. Est-ce que vous savez qu'au Sénégal, par exemple, on prend beaucoup l'exemple du Sénégal, parce que les gens ont dit à un certain moment que voilà, le gouvernement au Sénégal n'a pas besoin d'investiture. C'est faux. Trois mois après son entrée en fonction, le gouvernement sénégalais passe devant l'Assemblée nationale pour avoir la confiance. Et même en France, mais c'est ça. Ce que nous faisons ici, c'est un vote de confiance. Voilà. Merci bien. Monsieur Trésor Kalala, votre avis, pensez-vous qu'il y a opportunité de changer la Constitution aujourd'hui? Merci beaucoup. Je crois que j'aurai aussi suffisamment de temps comme mon frère Mardoché et Ah oui, et Yves. 6 minutes. Voilà. J'aimerais rebondir une seconde sur ce que mon co-débatteur Mardoché venait de dire par rapport au poids politique, par exemple. Il y a aussi les débats autour de ça. Moi, j'ai autant de députés,
provinciaux, nationaux, municipaux, et tout ça là, on met dans un panier. L'Assemblée nationale est l'émanation, et plutôt le gouvernement est l'émanation du poids de la coalition majoritaire à l'Assemblée. Pas les assemblées provinciales, ça ne compte pas. Écoutez, forcément. Allons sur cette logique-là. Allons à l'Assemblée nationale. Oui. Moi, je suis contre cette histoire des poids politiques, de la manière dont on est en train de mener cela. C'est sur base de quelle loi on nous oblige d'avoir 10 députés pour un ministre? C'est sur base de quelle loi? Est-ce que même dans les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, il existe cet aspect des choses? Est-ce que dans notre constitution, il existe cet aspect des choses? Moi, je crois ceci. S'il vous plaît, monsieur Dan, lorsqu'on parle de poids politique, c'est vrai, nous avions battu campagne, chaque regroupement a sorti un bon nombre de députés. C'est là que nous avons eu les capacités sur le terrain. Mais écoutez, lorsqu'il faut former le gouvernement, vous ne nous demandez pas d'avoir 10 députés pour un ministre. Attendez. Non, mais pourquoi? Vous avez vous-même nommé Augustin Kaouya comme informateur. Qui l'a nommé? C'est le chef de l'État qui l'a nommé. Il a fait son travail et à l'issue de son travail, il a dit que nous nous sommes convenus que pour un ministère... Non, c'est là que les bas blessent. Il s'est convenu avec qui? Mais il a consulté. Mais il vous a consulté. Voilà, non. C'est comme ça. C'est comme ça que M. Dange dit ceci. Oui. Moi, j'en ai marre de cette dictature à l'Union sacrée, notamment de membres du Présidium. Ah non, il faut que ça s'arrête. Écoutez, l'Union sacrée, ce n'est pas une affaire des 6 partis politiques. L'Union sacrée, ce n'est pas une affaire des 6 personnes du Présidium qui, eux, doivent boutiquer les histoires quelque part et venir l'imposer à la grande majorité. L'Union sacrée, c'est plus de 600 partis politiques. Mais il a consulté tout. Moi, je dis ceci. Augustin Kaoui a consulté toutes les... Effectivement, la consultation, ce n'est pas un problème. Mais cette histoire des 10 députés, ça n'a pas fait large consensus. Non, il n'y a pas eu consensus. Pourquoi il l'a dit alors? Mais il l'a dit parce que c'est dans les habitudes. Nous avions vu ici même dans les tickets des gouverneurs et tous les consorts. Mais même pour le bureau, parlons du bureau. Du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Mais regardez ce qui s'est passé. Mais ce sont les gens qui se sont réunis dans le noir. Et puis ils ont imposé leur choix sur nous tous. Et nous disons non. À l'Union sacrée, nous devons nous respecter en tant que partenaires. Nous devons nous considérer. Moi, écoutez, cette histoire doit finir où ces 6 personnes qui se réunissent quelque part, ils prennent des décisions et ils viennent les déverser sur la grande majorité. Moi, j'ai dit non. Ce concernant, moi, j'ai dit ceci. Oui. S'il vous plaît. Oui. Cette histoire des 10 députés, ça ne tient pas la route. Moi, j'ai soutenu le président de la République. J'ai fait voter le président de la République. Là, il avait besoin de moi. Et maintenant qu'on a gagné, quand on doit partager les responsabilités, me dites non, Marguerite, que vous avez mouillé le maillot, vous n'avez pas part parce que vous n'avez pas dit député. Moi, je dis le poids politique ici, c'est le président de la République. Le poids politique, c'est le président de la République. Le fait que je soutiens le président de la République, eh bien, j'ai le poids politique parce que c'est lui mon poids politique. Est-ce que ça ne va pas contre la Constitution? On a nommé Kaouya pour identifier la coalition majoritaire. L'identification de la majorité, c'est autre chose. Et les critères d'être au gouvernement, c'est une autre. Okay. Vous dites qu'il a consulté tout le monde. Nous avions été consultés. Nous avions été contre. Contre quoi? Contre cette histoire des 10 députés, un ministre. Écoutez, je donne l'exemple de mon regroupement politique, par exemple. AADC. Seuil d'éligibilité, 191 000 voix. OK? En principe, on devait avoir 8 députés, mais on ne veut plus revenir sur ces débats-là. On nous a donné qu'un seul pour toutes les raisons que vous connaissez. Bon, nous avions fait voter les présidents de la République auprès des 191 000 Congolais. Et lorsque on doit gérer la chose publique, parce que nous avons aussi les ambitions, parce que nous sommes une alliance pour le développement, nous avons des projets de développement, vous voulez nous empêcher de mettre ces actions de développement en œuvre, tout simplement parce qu'on n'a pas dit député. Ah non, moi je dis, du fait qu'on a fait voter le président de la République, nous l'avons soutenu, et à la gestion, nous devons aussi participer. Parce que là, ça serait encore frustrer les partenaires encore davantage. Parce que vous nous laissez sur la rue. Et donc, on avait besoin de nous pour la victoire. Parce que dans cette victoire-là, nous y sommes. Nous y sommes, mon frère. Mais pourquoi lorsqu'on doit partager les responsabilités, nous, on doit nous exclure? Non, j'ai dit non, cette histoire des 10 députés, ça ne tient pas debout. Moi, je vais aller plus loin. Le Congo nous appartient tous. À mon humble avis, j'estime qu'on pouvait donner, même à l'opposition aussi, quelques ministères. Ah oui, parce que nous devons gérer ce pays ensemble. Ça ne doit pas être une histoire de gangsters. Merci beaucoup. Dont des Yankees qui prennent toute une nation en otage
et même ceux de leur famille, moi, je dis non. Ce n'était pas la question. Je vais entrer dans la Constitution. Mais, monsieur Yves Badjoko, m'étonne. Vous avez pris déjà cinq minutes. J'ai fait 3 minutes. Non, j'ai fait 3 minutes. Vous avez fait 5 minutes déjà. Non, mais, allez-y. Vous me menacez, monsieur Soudan. Allons dans la Constitution. Moi, je crois que monsieur Yves, c'était l'intellectuel que j'apprécie beaucoup, mais là, il vient de se plonger dans des confusions graves. Il dit, il donne l'exemple du Sénégal. Prenons l'exemple du Sénégal. Mais il compare un coq à un palmier. Est-ce que Yves Badjoko peut me dire, nous sommes dans quel régime politique? Nous sommes dans quelle forme de l'État? La République démocratique du Congo. Le Sénégal est dans un régime présidentiel. Ok? Mais nous, nous sommes dans un régime semi-parlementaire ou semi-présidentiel. On appelle ça un régime hybride, où le président n'est pas responsable devant le Parlement. Et pour investir le Premier ministre, on doit attendre tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui là. Mais c'est à cause de cette constitution. Donc ne mélangez pas les choses. Les réalités sénégalaises ne sont pas les réalités congolaises. C'est comme ça que moi je suis pour les changements de la constitution. Déjà moi je veux qu'on entre dans un débat de fond. Et c'est quoi les débats de fond? Changement. Si je... Effectivement. Ouais. Il faut qu'on entre dans un débat de fond. Et c'est quoi ce débat de fond? Nous devons nous poser des questions claires. Un vrai débat congolais. Monsieur Badjoko, êtes-vous fier du régime politique que nous avons aujourd'hui? Êtes-vous fier de la forme d'État? Nous sommes dans quelle forme d'État? Nous sommes dans quel régime politique? Ce sont ça des vraies questions de fond sur lesquelles nous devons discuter. Pour finir, comment expliquer que dans un régime, le président de la République a un juge naturel pendant et après la fonction, mais le Premier ministre n'en a pas après sa fonction? Et il y a eu un débat ici. Merci bien. Le peuple est d'accord aujourd'hui, s'il vous plaît, je finis par là. Le peuple est d'accord aujourd'hui qu'il faut supprimer les assemblées provinciales, il faut supprimer les sénats et tout, patate. Est-ce que vous savez que pour arriver là-bas, il faut changer et la forme et les régimes politiques, parce que les régimes politiques entraînent la forme de l'État? Merci. Nous devons aller dans un débat de fond. Pas la forme. Non, allons dans un débat de fond pour dégager la quintessence de changer ou pas. Moi, je ne voulais pas qu'on aille, et c'est la condition qui bloque, et c'est la condition qui fait ce que les histoires montent de prix. Non, allons dans un débat d'intellectuel. D'accord, on a compris. Qui va réellement nous faire gérer la lumière pour le bien de notre pays. L'opportunité, c'est ça même. Bon, c'est ça aussi le débat, hein, le débat de fond. Monsieur Mardochin, c'est votre avis. Regarde tout ce qu'il y a comme... Bon, les constitutions ont des lacunes, M. Trésor Kalala l'a dit, M. Badjoko aussi, certainement, il est conscient qu'il y a des difficultés, mais la problématique que nous posons, c'est l'opportunité de changer actuellement la Constitution. Est-ce que il y a opportunité de changer la Constitution? Merci beaucoup, Dan. Avant que je parle de la révision de la Constitution, bon, je ne veux pas qu'on parle de l'opportunité, mais la raison. La raison, n'est-ce pas, qui peut nous amener à la révision de la Constitution. Pas changement. Pas révision, pas changement. Mais je ne parle pas du changement, parce que toutes les dispositions au sein de la Constitution ne sont pas mauvaises. N'est-ce pas? L'organisation des institutions, le fonctionnement des institutions. Il y a de faiblesses. Non, le chef de l'État parlait au cours d'une interview du changement de la Constitution. Moi, un changement, bien sûr, mais moi, je suis juriste et je parle de la révision. Vous n'êtes pas pour le changement? Le changement, c'est-à-dire mettre tout de côté, recommencer une nouvelle Constitution. C'est-à-dire qu'on a droit à une nouvelle République. Là, je ne suis pas d'accord. À moins qu'on change le tout et le régime politique, forme d'État, c'est-à-dire que là, on supprime la Constitution et on va mettre en place un pouvoir constituant, n'est-ce pas, pour, enfin, avoir une nouvelle constitution. Mais moi, je parle de la révision de la Constitution. La révision de la Constitution, pourquoi? Parce qu'à la base, on doit avoir une raison. La raison, c'est les faiblesses qui présentent, n'est-ce pas, cette Constitution que nous avons. La Constitution ne s'adapte pas facilement, n'est-ce pas, aux innovations, aux difficultés auxquelles fait face la République démocratique du Congo, qui est notre pays. Je prends l'exemple avec l'insécurité à la République. Cette insécurité trouve encore un appui constitutionnel, n'est-ce pas? Quand vous allez dans l'article 217 de la Constitution, vous parle que la RDC a à mesure de céder une portion de sa souveraineté à un autre État pour l'unité africaine. Ce qui est diabolique. Diabolique. Vous pouvez prendre une partie de votre pays, vous livrer à un autre pays. La cause, la raison, c'est quoi? C'est l'unité africaine, c'est diabolique. Et quand vous voyez le M23 insister qu'on est au dialogue, ils vont s'appuyer sur les dispositions constitutionnelles de ce pays.
dispositions constitutionnelles de ce pays. Je ne vois pas en quoi cette disposition favorise l'insécurité. Très bien. Comment ça favorise l'insécurité? Très bien. Vous savez, il y a une minorité de langue qui à l'aise de la République, que le Congolais jusqu'à maintenant n'accepte pas que ce sont des Congolais, ce sont le Tutsi Congolais. N'est-ce pas? Et vous avez suivi partout, sur les médias internationaux, les médias congolais, les gens disent que les Tutsi Congolais n'existent pas. Quand on a essayé d'interroger l'histoire, maintenant nous trouvons que c'est une histoire montée de toutes pièces. Ça coïncide avec la gourmandise de la communauté internationale qui, à travers le Rwanda, pille la République démocratique du Congo. Et l'objectif, c'était de balkaniser ce pays. Et la balkanisation est possible que lorsque ça s'appuie sur le lot de la République. Et si la communauté, ensemble avec le Rwanda, et ceux qui viennent comme facilitateurs pour rendre possible un dialogue entre un mouvement rebelle, qui est le M23, composé à 90% des expatriés qui sont le Rwandais, n'est-ce pas? Et demander à ce que ceux qui se jugent... Donc vous pensez que si on révise sa constitution, la guerre, on mettra fin à la guerre, parce que ça favorise la guerre? Quand on va reviser la constitution, on peut mettre de côté, j'ai suivi des professeurs qui sont passés plusieurs fois sur Madia pour demander l'introduction d'une requête à la Cour constitutionnelle pour la révision de quelques dispositions parmi lesquelles celle-ci a été citée. Vous comprenez? Alors ce dialogue, c'est pourquoi je dis merci au président public Félix Tshisekedi. Et ce qu'il fait combien beaucoup de gens ne voient pas, les gens essaient seulement d'entendre si Tshisekedi parle quelque chose où il n'a pas encore agi ou c'est pas moi accompli. On va le taxer de menteur, un prometteur, et ainsi de suite. Mais Tshisekedi a pris une décision. Une véritable décision, c'est de ne pas négocier avec le rebelle. Pour une fois de plus avoir des expatriés, des étrangers au sein des services de sécurité congolais, au sein des institutions congolaises, et cela pour favoriser le pillage de ce pays. Parce que tu sais qu'il y a arrêté ce pays en train d'être pillé. Ce pays était quasiment nu, un pays à genoux. Et puis vous avez un pays irresponsable à travers les animateurs des institutions de l'époque. Nous sommes dans une situation... Est-ce que la Très bien. République Alors, les faiblesses de cette constitution, je soulève aussi l'une des faiblesses. Vous voyez les échéances que la constitution... la mise en place, l'installation des institutions, le renouvellement des institutions, ainsi de suite, il y a beaucoup de faiblesses qui vont avec. C'est-à-dire, on ne pouvait pas, n'est-ce pas, attendre que le Parlement, la représentation de notre population, qui doit investir, c'est ça même l'esprit de l'existence de ces institutions, c'est-à-dire le peuple congolais est représenté que par le palais du peuple. Les élus-là, ce sont eux qui investissent le gouvernement, si le gouvernement parvient à les convaincre à travers un programme du gouvernement, qu'est-ce que vous nous promettez pendant 5 ans? Parce que le programme du gouvernement, c'est le reflet du projet sociétal, du projet public, que le coordonnateur du gouvernement, le premier ministre, défend. Quand il défend et que les élus sont convaincus. Mais en quoi l'installation du bureau définitif, en quoi la condition bloque l'installation du bureau définitif? C'est parce que le pouvoir d'investir le gouvernement, n'est-ce pas, revient à l'Assemblée. Non, ouais. Élire un bureau. Si. Est-ce que la constitution bloque l'élection d'un bureau? Donc la constitution ne bloque pas. La constitution dit que le gouvernement doit être investi que par l'Assemblée. Oui. Et l'Assemblée est dirigée par quoi? Par un bureau. Et si le bureau n'est pas encore, l'institution est boiteuse. Vous comprenez? Donc c'est difficile que le gouvernement soit investi par un bureau provisoire. Il faut que le bureau définitif soit installé. Et cette loi a le droit d'investir dans le gouvernement. Mais le bureau provisoire a mis du temps à être investi. On a vu des gymnastiques à gauche, à droite. C'est une affaire de constitution, ça? Je ne sais pas si on peut encore revenir. La constitution, c'est, écoute, on pose des grandes lignes, n'est-ce pas? Qui sont détaillées dans des ordres organiques. Même le règlement de l'intérieur doit être conforme à la constitution. Si ce n'est pas conforme à la constitution, ce serait frappé d'inconstitutionnalité. Alors, tout ce qui est fait doit être conforme à la constitution. Donc, la constitution, c'est la loi mère. C'est la loi même qui définit l'existence de l'État congolais, qui définit l'existence des institutions et leur fonctionnement. D'accord. Alors je rentre, avant de continuer avec la révision constitutionnelle, je reviens sur ce que mon frère a fait. Terminé, s'il vous plaît. Bien sûr. Il y a des choses que nous devons maîtriser. C'est très simple. Vous comprenez? Le poids politique, la composition du gouvernement, ainsi de suite. Okay. Parce que nous devons faire la différence entre ce qui est institutionnel et ce qui n'est pas institutionnel. Quand quelqu'un est parti mouiller le maillot, moi j'ai mouillé le maillot pour le chef de l'État. Moi-même, pour la première fois que je suis allé aux élections, j'ai obtenu 7763 voix. Je n'étais pas proclamé candidat. Je ne peux pas aller à l'Union Sacrée pour leur dire, voilà, j'ai mouillé le maillot, j'ai eu 7000, parce que j'étais tenu au résultat. C'est quand je pars pour que je rentre député national. C'est quand je suis député national, n'est-ce pas, que je dois utiliser ma casquette, plaider les causes de ma circonscription électorale, plaider les causes des Congolais, ainsi de suite. Mais par rapport au poids politique, c'est une organisation à l'interne de la majorité au pouvoir. Les dix
député, un ministre. C'est les fruits d'un consensus. Bon, peut-être que. Oui, oui, c'est les fruits d'un consensus. Parce que beaucoup de Congolais ont dit ceci, s'il vous plaît. Beaucoup de Congolais ont dit ceci. Nous ne voulons pas un gouvernement bidetivore. C'est pas ça? Et Kabou a dit, voilà. Si vous ne voulez pas un gouvernement bidetivore, vous avez au total plus de 500 députés à l'Assemblée nationale. Et si vous faites que chaque regroupement qui présente 10 députés, nous aurons au moins de 50 ministre, ce serait plus au-delà de 65 ministres. Merci. Je pense que le problème était résolu même à 40%. Moi, je ne trouve pas pourquoi il doit être... Débat. Et puis, de trois, je veux, s'il vous plaît, pour shooter, mon ami, pour shooter, la révision de la Constitution, c'est sur base des faiblesses que présente la Constitution par rapport aux besoins que la République présente. Merci. La menace à la sûreté de l'État, n'est-ce pas beaucoup. Alors... Mais je voudrais finir, Dan, donne-moi même quelques secondes. Ah, fini, c'est fait. Ce sont des raisons fondées. Parce qu'il y a des politiques qui jouent au végétariat. Quand ils passent sur les médias, ils veulent se faire entendre, ils veulent faire. Ce sont des questions très importantes, des questions de fond qui doivent être exploitées avec beaucoup d'intelligence et beaucoup de délicatesse. Alors la révision constitutionnelle, ça vaut la peine. D'accord. Et d'ailleurs, le mandat de 5 ans, moi je trouve que. D'abord, même si l'article 220 essaie de verrouiller les attributions, n'est-ce pas? Vous ne terminez toujours pas. Oui, je chute par là. Mais je sais qu'il est important que cette constitution soit revisée et soit réadaptée, n'est-ce pas? D'accord. Aux faiblesses qu'elle présente. Par rapport à ce que les Congolais attendent. Par rapport à ce que les Congolais attendent, il y a beaucoup de faiblesses. Mm-hmm. Ça, c'est une évidence, M. Ivadioko. Cette constitution n'a-t-elle pas de problèmes? N'a-t-elle pas des difficultés à qu'elle présente? Avant, je voudrais dire, par votre truchement, de demander à mes amis de l'Union sacrée d'aller se bagarrer à l'Union sacrée. Non, il n'y a pas question de bagarre ici. Les bagarres, c'est chez vous. Ou de vos tutos qui donnent des leçons sur la constitutionnalité. Ou ils ne maîtrisent aucune notion sur la constitutionnalité. Ici, nous parlons de la République. Nous parlons du peuple congolais et de la République. Est-ce que cette constitution n'est-elle pas des faiblesses? Mais voilà. Tout à l'heure, j'ai dit que M. Tshisekedi avait des difficultés avec la Constitution. Mais non, ça, tu t'es trompé. Force est de constater que même mes amis sur le plateau ont cette même difficulté. Article 53-1. De la Constitution française. Parce que si on est en... La Constitution congolaise est taillée sur base de réalité congolaise. Il ne faut pas nous amener les trucs de France ici, nous sommes assez matures pour défendre notre Constitution. Si on est en Afrique, si vous permettez, écoutez quand les autres parlent, prenez note, ça vous servira. Et la France n'a jamais été un exemple pour le Congolais. La République peut conclure avec les États européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des droits de l'homme, des libertés et ainsi de suite. Ici, on parle des traités. C'est cet article qui permet, par exemple, de fonder l'Union européenne. C'est-à-dire que la France ne contrôle plus ses frontières. Elle donne cette responsabilité à un État supérieur. Elle le donne à Schengen. Ça veut dire que la Banque centrale de France ne contrôle plus la monnaie. La politique monétaire est dictée par la Banque centrale européenne. On doit copier ça. Mais comme je vous dis, nos amis, ils ne sont jamais au courant de beaucoup de choses. On doit copier ça. Je vais vous lire l'article 92 de la Constitution du Sénégal. Or, la République, le président de la République, paix après référendum, conclure avec tout État africain des accords d'association ou de fusion comportant abandon partiel ou total de la souveraineté en vue de réaliser l'unité africaine. Non, mais monsieur, non. Vous parlez, s'il vous plaît, vous avez votre temps. Vous avez eu votre temps, je ne vous suis pas intervenu. L'article 217 dit exactement la même chose. Eh bien, pourquoi cet article a été inséré dans les constitutions africaines? Mais et c'est exactement ça. Alors, dans le cadre, d'abord, sinon, pourquoi on a l'Union africaine? Parce que l'Union africaine a des prérogatives, certaines prérogatives que les États n'ont pas. Oui, c'est ça, effectivement, l'idée. Posez-vous la question, comment le CFA peut être géré, même si aujourd'hui il est géré en France, si il n'y avait pas unité de la zone CFA? Ça exactement, il n'y a rien. Ça ne le veut CFA, pas dire. C'est pas le fort s'il vous plaît. Mais vous avez eu votre temps de parole. Lisez l'article 96 de la Constitution du Bénin. Et il reprend exactement les mêmes termes. Lisez la Constitution de la République centrafricaine. Il y a exactement les mêmes termes. Alors vous allez dire aussi que le Bénin va être balkanisé à cause de l'article 217. Ça n'a absolument rien à voir. Le problème, c'est qu'ils n'y comprennent absolument rien. Ils ne comprennent pas l'objet de cet article. Vous vous rappelez, M. Tshisekedi, qu'est-ce qu'il disait lorsqu'il a conclu les accords avec l'EAC? Il disait, vous vous battez pour des petits territoires, ça ne servira à rien, parce que prochainement, quoi? Notre pays, ce sera quoi?
ça sera l'EAC. Ça sera cette zone qui va dicter à laquelle on va céder certaines prérogatives qui pourraient gérer d'autres questions au niveau de l'Interne. Je vous explique, c'est aussi élémentaire que ça. On va se mettre d'accord que l'EAC, l'objectif de l'EAC, parmi les objectifs de l'EAC, c'est que on puisse, que, à l'avenir, que l'EAC devienne un seul État. Ça, c'est dans la charte de l'EAC. C'est parmi les dispositions de... Mais la République démocratique du Congo, déjà, de par tous les scientifiques, tout le monde a décrié l'adhésion de la RDC à l'EAC. Bon, vous-même, vous avez décrié... Non, mais je prends les propos de M. Tshisekedi, parce que certainement, il fonde son raisonnement sur ça. Mais sauf que la question, pourquoi nous avons... c'est que nous n'étions pas dans la zone de l'EAC. Nous ne sommes pas dans la zone de l'EAC, nous sommes dans la CD. C'est comme si vous dites que demain, la RDC va adhérer à la Ligue arabe. Qu'est-ce qu'on va aller chercher à la Ligue arabe? Nous ne sommes pas là. Donc ça, c'était une autre question. Mais je prenais ce propos pour leur expliquer, parce que visiblement, ils ne comprennent rien. Ils lisent la Constitution, mais ils la comprennent pas. Ils se fondent sur un faux article pour baser leur raisonnement et leur volonté de changer la Constitution. Ça n'a absolument rien à voir. C'est l'article 217. Non, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Mais rappelez votre question, peut-être que vous n'avez pas... Ma question est celle de savoir, est-ce que dans cette Constitution, il n'y a pas des faiblesses? Non, la question aujourd'hui, ce n'est pas est-ce que la Constitution, il y a des faiblesses ou il n'y a pas de faiblesses. Toute loi, à travers le temps, peut avoir des faiblesses. Il n'y a pas de problème. On peut l'améliorer. Vous reconnaissez qu'il y a des faiblesses. Mais alors, écoutez, mais la question fondamentale dans les cadres de la Constitution, le changement, la modification, c'est la question de l'opportunité. C'est la question du problème que l'on résout. On ne résout pas les questions sécuritaires en changeant la Constitution. Jamais. Ça n'existe pas dans aucun pays. C'est ce que mon ami dit tout à l'heure, mais vous avez totalement faux. D'abord, est-ce que vous savez l'origine du mot balkanisation? Est-ce que vous connaissez l'origine du mot balkanisation? Ça, c'est une question que vous me posez. Mais là, c'est élémentaire, parce que tout le monde parle de la balkanisation, mais ne comprend pas l'origine du mot balkanisation. La balkanisation est partie de la région des Balkans. Lorsqu'on a voulu éclater la Yougoslavie. Ça ne sert à rien. Mais écoutez, parlons congolais, la question. Le Congo n'évolue pas en vase clos. La balkanisation s'est déjà faite, non pas de la volonté des personnes qui sont, non pas de l'agression. Ils ne sont pas d'accord sur un point XY, c'est fini, mais il faut une définition historico-politique. Il faut me protéger. Vous aurez la parole. Vous aurez la parole. Aujourd'hui, nous sommes dans une balkanisation de fait. Nous sommes dans une balkanisation de fait. Justifié. Ça fera plus de 2 ans que 3 territoires ne sont pas administrés par la République démocratique du Congo. C'est pas 3 territoires. C'est une balkanisation de fait. Et maintenant, lui, il dit que l'article 217, que l'RDC peut céder. Mmh. Non, d'abord, on dit peut. C'est une possibilité, ce n'est pas un impératif. Mmh. Peut céder. Mais si demain, dans le Massissi, il se réveille, il faut un référendum d'autodétermination qui soumette aux Nations Unies. Et qui disent que nous, on ne veut plus avoir avec ces aventuriers qui passent tout leur temps dans les fêtes, qui nous oublient, qui sont incapables de faire la guerre, qui sont incapables de résoudre nos problèmes sécuritaires. Il faut un référendum d'autodétermination pour quitter la RDC. Est-ce que ça sera sur l'article 217? Non. C'est-à-dire que nos amis ne maîtrisent absolument rien. L'objectif poursuivi par ces changements de constitution, il est unique. C'est quoi l'objectif? C'est permettre à M. Tshisekedi de demeurer ad vitam aeternam, président de la République. C'est tout. En dehors de ça, il n'y a rien. Ils m'ont contredit en disant. Ils m'ont contredit tout à l'heure en disant que je disais j'ai raconté ma vie en disant qu'il n'y avait pas d'obligation pour un gouvernement d'exister sans investiture. Mais ils n'ont pas prouvé ça. Je leur demande de dire l'article de la loi qui dit qu'un gouvernement ne peut pas exister sans investiture. Madame Toulouka, qu'est-ce qu'elle fait, s'il vous plaît? Madame Toulouka, comment elle existe? Comment vous avez nommé un Premier ministre? Le Premier ministre est membre du gouvernement et n'a pas eu son investiture, mais elle existe. Ça veut dire que vous pouvez mettre en place votre gouvernement en attendant l'investiture. Pourquoi j'ai fait le parallélisme? S'il vous plaît, je finis. Ça sert à quoi un gouvernement qui n'est pas investi? Pourquoi j'ai fait... Voilà. Une question intéressante. D'abord, pourquoi j'ai fait le parallélisme avec la République du Sénégal? Nous sommes tous d'accord que nous sommes sur un régime présidentiel au niveau du Sénégal. Mais ça n'empêche pas que le gouvernement ait besoin de ce vote de confiance pour continuer à travailler. Parce que s'ils ne reçoivent pas la confiance, ce gouvernement tombe. Donc, je fais un parallélisme. Plusieurs mois plus tard. C'est ce que j'ai dit. Je fais un parallélisme. C'est pas pareil. Mais je vous explique, le gouvernement peut exister. Madame Toulouka est Premier ministre. Elle n'a pas l'effectivité du pouvoir parce qu'elle n'étant pas encore investie. Vraiment. Si vous n'arrêtez pas de parler, allez-y. Si vous faites les jeux de mes co-débatteurs et m'arrêtez, vous n'allez pas comprendre. Suivez. Écoutez. J'ai dit que le gouvernement peut exister. Tout comme Madame Toulouka peut exister. Si le gouvernement existe, vous vous rappelez de l'épisode du ministre des Hydrocarbures qui a dû apprendre son travail pendant 2 semaines avant de commencer. S'il vous plaît, écoutez-moi, si vous m'arrêtez, ça ne sert à rien alors.
je vous dis ceci. Demain, nous aurons des problèmes dans le cadre de l'organisation des cabinets politiques, une fois que ces personnes seront investies. Si elles sont déjà aujourd'hui désignées, elles peuvent travailler sur leur cabinet. Parce qu'il y aura des questions après. Qui sera là, qui ne sera pas là. Elles peuvent travailler sur leur cabinet. Et une fois investies, elles peuvent directement commencer le travail. C'est ça l'intelligence. C'est ça la réflexion. C'est ça la gouvernance. C'est ça gérer, c'est-à-dire vous anticiper sur les questions. Une fois j'étais sur un plateau, fort de leurs divergences qu'ils viennent de nous montrer dans ces plateaux, je leur dis qu'ils ont déjà perdu une année de travail. Une année. Pourquoi? Parce que lorsque, dans un mois, le gouvernement sera mis en place, ils prendront deux à trois mois pour constituer les cabinets, ils prendront trois mois pour apprendre leur travail, et on sera à la fin de l'année, ils n'auront rien fait. Et tout ça, ce n'est pas à cause de la Constitution. On est bien d'accord. Absolument pas à cause de la Constitution. C'est à cause, ils l'ont dit tout à l'heure, de l'appétit gloutant des uns et des autres dans le cadre de l'Union. Merci beaucoup, M. Badjoko. Mais je ne sais pas si je me trompe, mais j'ai l'impression que vous comparez les choses et vous ne voulez pas tirer la conclusion de ce que vous comparez. Mesdames, quand vous comparez le régime du Sénégal... Mesdames, qui lorsqu'on a une majorité de 450 députés, nous sommes sous un régime présidentiel. C'est ça. C'est ce que les gens ne comprennent pas. On est dans un régime hybride en fonction de la composition. Faut aller lire, c'est gratuit. S'il vous plaît, on est dans un régime présidentiel. Le droit constitutionnel, les public et régime politique. Attendez. Il faut lire ça. Lorsqu'on a la majorité... Lorsqu'on a la majorité à l'Assemblée nationale, sommes sous un régime, nous basculons sous un régime présidentiel. Pourquoi nous basculons sous un régime présidentiel? Parce que l'Assemblée nationale ne s'opposera jamais aux décisions, aux orientations que prendra le gouvernement. Merci. Mais à l'inverse, si la majorité est différente, alors là, c'est lorsque le régime parlementaire trouvera toute sa place. Nous passons sur un régime parlementaire. Parce que vous viendrez avec votre gouvernement, ils n'accepteront jamais, ils ne travaillera pas. Ce sont des faits. C'est la sociologie politique, c'est la culture politique et c'est la réelle politique. En principe, vous avez raison, mais il y a quelques... Non, pas en principe, j'ai raison. Il y a quelques... Il n'y a pas de principe, j'ai raison. Merci. Merci. Je vais vous passer la parole. Monsieur Trésor Kalala, vous avez dit ici que la Constitution y est pour quelque chose, les ambitions de l'Union sacrée y sont aussi pour quelque chose, dans la formation du gouvernement et tout et les restes. Maintenant, qu'est-ce qui est prépondérant? Qu'est-ce qui a dominé le retard? Ce sont les ambitions ou c'est la Constitution? Parce que vous avez dit qu'il y a d'une part les ambitions, d'autre part la Constitution. Monsieur Dan, la question est très pertinente, mais laissez-moi d'abord regretter. J'ai vu mon frère, il a souffert. Hein. Yves a souffert et je ne l'ai jamais vu dans cet état. Je l'ai vu agité, aller dans tous les sens. Il est allé dans tous les sens, il a tout touché. Il a même raconté une partie de sa vie ici. Monsieur Dan, je suis totalement révulsé à voir un jeune congolais qui compare l'histoire ou les circonstances que traverse notre pays pour le moment à d'autres pays qui n'ont rien à voir avec les réalités congolaises. Écoutez, le Congo, ce n'est pas le Sénégal. Vous savez rien. Le Congo, ce n'est pas le Bénin. Il a cité la constitution béninoise ici. Il a cité la constitution française. Soi-disant, non, l'article 217, un jeune Congolais veut que ça demeure dans notre constitution. L'article 217 qui vous dit que nous pouvons céder une partie de notre souveraineté pour privilégier l'unité africaine. Écoutez, les réalités congolaises ne sont pas les réalités françaises. Cette disposition peut demeurer dans la constitution française, ce n'est pas un problème. Dans la constitution béninoise, sénégalaise, japonaise, ce n'est pas pakistanaise, je m'en passe. Mais écoutez, ici, les non-dits, c'est quoi? Lorsqu'on lit les textes de loi, c'est ce qu'on appelle l'esprit et la lettre. Lui, il est dans la lettre. Dans la lettre. Ah. C'est une très belle lettre. Mais il faut aller dans l'esprit. L'esprit ici, c'est quoi? C'est que nous, les Congolais, nous pouvons céder une partie de l'Est. Et c'est comme ça qu'on vous dit qu'il y a 300 km qui doit aller au Rwanda. Nicolas Sarkozy arrive ici. Il nous dit, vous avez beaucoup. Vous pouvez donner aussi aux autres. Mais c'est s'accrochant à l'article 217 de la Constitution. Les 300 km là, c'est dans quel... Il y a eu... C'est écrit où? Si vous suivez... Non, je ne parle pas de... C'est écrit ou pas. Nous avions eu tous les jours ici, nous avons toujours eu un débat avec les Rwandais selon lesquels ils doivent entrer chez nous. Ils doivent occuper Goma. Goma, c'est les Rwandais, c'est connu. Et ils s'accrochent à quoi? Mais là c'est autre chose. Non, mais c'est ça. C'est ça l'esprit de l'article 217. C'est autre chose. Qu'est-ce que vous... Monsieur Dan, c'est ça l'esprit de l'article 217. Céder une partie de votre souveraineté pour privilégier la paix. Non, l'unité africaine. Mais c'est ça, l'unité et la paix, tout ça sort dedans.
Vous comprenez? Alors, moi, je dis ceci, un jeune Congolais ne peut pas soutenir l'article 217. Et puis, évitez-nous de comparer le Congo au Bénin, Burkina Faso et tout. Le Congo est en train de présider aujourd'hui à la transition énergétique. Oh, le Congo est l'enjeu du monde. S'il vous plaît, arrêtez. Le Congo, aujourd'hui, avec ses matières premières, nous pouvons faire vivre le monde avec tout ce que nous avons. Et tous les yeux sont arrivés sous la réglementation du Congo. Ce n'est pas n'importe quel pays. Donc, quand on glisse une phrase dans notre constitution, surtout lorsque ça touche à sa souveraineté, il faut réfléchir mille fois. Mais, et je suis étonné ici qu'un Congolais soutienne que cet article demeure dans notre constitution sous prétexte que non, Tshisekedi veut s'éterniser au pouvoir. Moi, je crois que là, c'est tout à fait faux. J'avais avancé. Monsieur Badiogo s'est contredit, s'il vous plaît, monsieur Dan. Il s'est contredit à l'entame de cette émission. Il a fustigé l'attitude de Maman Fifi-Masuka. Il a dit non, elle est députée nationale, provinciale, sénatrice, gouverneur. Futur ministre aussi. Mais c'est de la part de notre loi. Ok, mais la loi ne l'a pas interdit. Non, ça c'est pas la Constitution. Ce qui n'est pas interdit. Ça c'est pas la Constitution. Et permis, mais écoutez, la Constitution c'est la loi des lois. Non, ça c'est la loi. Mais il y a des dispositions comme ça, malgré qu'il y a des lois organiques, mais il y a des dispositions comme ça qui touchent à la sensibilité de la nation qui doivent figurer dans la Constitution. Je veux être clair. Le débat ici dans l'opinion. Même pas les débats. La vie de l'opinion, c'est qu'aujourd'hui, le président de la République commence à nommer le gouverneur. C'est qu'aujourd'hui... Le régime change. Qu'on supprime les sénats et les autres. Mais si nous avons... Là, c'est touché à l'article 220. Quand vous dites que le chef de l'État doit nommer, écoutez, c'est touché à l'article 220. Écoutez, laissez-moi... C'est table rase. Ça, c'est table rase. Changement de la Constitution. Écoutez, je dis ceci. Aujourd'hui, l'opinion, ou le peuple, la majorité du moins... est d'accord que le président de la République doit... Mais pourquoi vous ne me laissez pas avancer, M. Dan? Il n'y a pas eu référendum pour dire que la majorité... Mais laissez-moi, je vais arriver là-bas. Qu'est-ce qui vous dit Écoutez, nous sommes dans la société. Nous sommes des débatteurs. Nous sommes des leaders d'opinion. Nous sommes ancrés dans la masse. Nous écoutons ce que la population dit. Alors, pourquoi vous refusez les référendums? Parce que vous voulez parler du référendum. Alors, au référendum, interrogeons cette population. C'est comme ça que je suis en train de dire. Aujourd'hui, l'opinion est d'accord qu'il faut que le président nomme le gouverneur. Il faut qu'on supprime les sénats. Est-ce que vous savez que ça a des conséquences? Les conséquences, c'est quoi? Nous devons changer la forme de l'État. Nous devons être dans un État unitaire. Là, nous sommes c'est pas dans un État unitaire, État fédéral, parce que c'est... Donc, nous sommes dans un régime et dans une forme monstre. C'est comme ça que j'ai dit. Comme cette constitution, ça fait 18 ans. C'est pas plus ou moins 18 ans. 18 ans. Mais les choses ont évolué. Pourquoi ne pas se mettre autour d'une table? Discuter pour ce qui est bien pour nous. Yves a une idée ou il a une opinion par rapport à ce que le président doit nommer le gouverneur ou pas. Nous devons passer à un régime présidentiel ou rester là où nous sommes. Il y a beaucoup de questions. Pour finir, une frange de l'opinion pense que le débat sur le changement de la Constitution, c'est pour permettre à Félix Tshisekedi de revenir. C'est ce que moi je ne veux pas. Écoutez, cette question doit être résolue froidement. Quand on parle du changement, écoutez, c'est une évidence que écoutez, le président peut revenir. C'est une évidence. Écoutez, cette question doit être débattue vraiment avec toute la froideur possible. Nous ne devons pas nous lancer dans les émotions, dans les intérêts. C'est Tshisekedi est éternel. Tshisekedi n'est pas éternel. C'est Kabila qui nous a laissé cette constitution. Est-ce qu'il est là? Il n'est pas là. Donc réfléchissons. Pour nous et pour l'avenir, il y a des vraies questions de la Constitution. Je prends l'article 10 de la Constitution, qui parle de la nationalité. Mais c'est un vrai débat. L'article 70, le président de la République reste en exercice jusqu'en... Écoutez, mais ce sont des vraies questions de fond sur lesquelles nous devons débattre. S'il faut toucher à certaines dispositions, c'est bon. S'il faut réviser ou changer carrément la Constitution, c'est bon. Discutons. Trouvons un intérêt d'entendre. Si cela peut être possible, on peut aller plus loin parce qu'on parlait d'article 220. Mais écoutez... Qui a inversé l'article 220? N'est-ce pas le peuple, à travers les référendums? Mais le même peuple peut se décider aujourd'hui de déverrouiller cet article-là au travers du référendum. Mais qu'est-ce que vous voulez? Donc moi, je crois qu'ici, on devrait réfléchir en étant lucide, éviter de nous prêter des intentions. D'accord. Non, et puis ça doit être un débat vraiment intellectuel et intelligent. De fond. Quand un intellectuel dit, et c'est la constitution qui fait à ce que ma sangue mata, et c'est la constitution qui fait à ce que c'est pas moi, vie comme ma passe. Que... Non. Discutons de ce qui est du fond de la constitution, parce que c'est notre âme. Merci beaucoup. Alors soyons froids dans la tête, regardons-nous en face, est-ce que telle disposition est bonne ou pas? Est-ce que ces régimes, ils le merci. Bon? Est-ce que cette forme de l'État
est bonne pour nous, et nous discutons, et nous sortons les évidences qui vont aider cette génération, et même la génération future. Mais lorsqu'on s'emballe dans tout ce qu'on s'emballe, il veut s'éterniser au pouvoir, c'est que Dieu n'est pas éternel. Merci beaucoup. C'est que Dieu peut passer, puis demain, ce sera lui ou moi, ou l'autre. Donc, ici, cette question mérite d'être discutée. Oui, froidement. Entre Congolais, d'accord, pour trouver des solutions. Mais moi, pour ce qui me concerne, cette constitution doit être repayée. Nous devons avoir une nouvelle constitution. Table rase. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Mardoché Sélé, en tout cas, je reviens sur la question initiale. C'est, le moment est vraiment bien choisi pour qu'on puisse penser au changement ou à la révision de la constitution. Le moment bien choisi, tout ça. Moi, ce n'est pas ça là, ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, moi, c'est les raisons de la révision de la Constitution, peu importe les circonstances. Mais attendez, il faut qu'on soit sur le même débat. On parle de changement ou de révision. Comme ça, on est sous la même longueur d'onde. Vous parlez du changement, moi je suis en train de mettre mon point de vue. Moi, je parle de la révision de la Constitution. Donc, on ne fait pas le même débat. Très bien. C'est-à-dire que vous n'êtes pas partant pour un changement de la Constitution. Moi, je donne les raisons d'une révision. Alors, si... C'est le changement que la République a besoin, n'est-ce pas? C'est-à-dire on va changer la forme d'État, n'est-ce pas? Et le régime parlementaire. Le régime politique, excusez-moi, on aura un autre régime. Mais d'après moi, je pense que tout est taillé en fonction de la réalité que le Congo nous présente aujourd'hui. Vous comprenez? Le besoin de la population, les faiblesses que présente la population et les menaces que court la République démocratique du Congo. Alors, mon frère, moi j'ai eu un peu froid parce que il a essayé de soutenir l'article 217, excusez-moi. La RDC, c'est un pays exceptionnel. C'est le pays le plus riche du monde et le plus riche d'Afrique. Lui ne connaît pas ce n'est pas le Sénégal, ce n'est pas la France. Il ne connaît pas vous comprenez ça. Le pays ici, même la législature, l'argent du pays influence même les lois de la République. Pourquoi? Parce qu'avant de mettre, avant de voter une loi, on doit tenir compte des différents facteurs et dans les différents domaines de la vie. Pourquoi? Parce que la mise en application de cette loi-ci n'a pas tenu compte en son élaboration de ces facteurs-là. La loi va tomber dans l'ambiguïté, il y aura beaucoup de difficultés. La loi ne sera pas exécutée. Pareil avec cette constitution. Moi, je parlais d'une maudite constitution parce que ce que j'ai lu en article 217, comparablement aux réalités que nous avons à l'aide de la République et la pression que connaît la RDC, et surtout notre président, le débat est quand même un peu orienté sur autre chose. Mm. Le débat sur l'article 217, certes, il y a... Je soulève, c'est l'une des raisons. Il y en a tout autant. Ok. Mais alors, c'est pourquoi moi, je dis... Les questions de gouvernabilité. Est-ce que cette constitution permet-elle aux institutions de gouverner comme il se doit la République? Gouverner comme il se doit, ce n'est pas une question de révision de constitution. Vous comprenez? Gouverner comme il se doit, c'est un problème de recrutement des animateurs des institutions. Vous comprenez? Et ce n'est pas une tâche facile, c'est un processus. Lorsque quelqu'un a la volonté de bien faire les choses, il doit se faire accompagner des personnes qui réfléchissent comme lui et qui dégagent la même énergie pour ainsi booster le processus du changement. Alors, moi, je pense que ce n'est pas facile. Je pense que mon frère parle parce que leur formation politique, ils sont en baisse, ils n'ont pas d'argent, ils ont besoin d'avoir une position politique et revivre. Parce que Fayoul, aujourd'hui, excusez-moi, c'est un grand frère, un papa pour moi, je respecte beaucoup, parmi les icônes de la politique de notre pays, mais il a un peu de vitesse. Il a un peu de vitesse. Je sais que Fayoul n'a pas de leçons à faire à Tshisekedi ni à la gouvernance de Tshisekedi. Alors, les questions importantes qui touchent à la sûreté de l'État, nous devons tous être sensibles et mettre de côté nos appartenances politiques. La mise en place des institutions, alors? La mise en place des institutions, comment? Le gouvernement, ici des élections, le bureau définitif de l'Assemblée nationale. Ce sont des petites... Écoute, s'il vous plaît. Le retard qu'on a remarqué là, est-ce que la Constitution y est pour quelque chose? Est-ce que la Constitution y est pour quelque chose? C'est par rapport à l'existence d'une institution avant que l'autre existe. Je donne un exemple. Le Premier ministre est une institution, c'est ce que je lui dis. Le Premier ministre est une institution. Hein? C'est une institution. Le Premier ministre. Oui, oui. L'animateur, s'il vous plaît. Soutenez, s'il mon vous plaît. Frère, je vais vous expliquer ce qu'il soutenez. Tout ce que la personne pense et imagine dans sa tête s'appelle institution. N'est-ce pas? Ouais, pour que ça soit réellement. C'est pas. Laisse-moi finir. Lui, il ne connaît pas, il fait des végétariens. Il parle des petits français pour séduire les gens sur le plateau. Mais moi, je lui dis ce qui existe. Pour qu'une institution soit appelée institution, ça doit répondre à un certain nombre de critériums. Un, ça doit survivre de ses auteurs, tu comprends? Ça doit revêtir un caractère de durabilité, tu comprends? Et puis, ça doit répondre aux quatre principes parmi lesquels il y a le principe de la continuité. Les personnes passent et l'institution reste. Irun Kamba est passé, Badibanga est passé, les Lumumba sont passés. Ils étaient que des coordonnateurs, des animateurs de l'institution Premier ministre.
Non, c'est Premier ministre. Est-ce que tu es dans la... Mon frère, les gens mais écoute, c'est une institution. Lui ne comprend pas. Non, mais il va comprendre qu'il a interrogé à ses professeurs. Le gouvernement qui est une institution. Même le ministre provincial, c'est une institution. Ministère provincial. Oh, ministère provincial, excusez-moi. Ministère. Le ministre, c'est un animateur de cette institution. La primature. C'est que je lui dis, le ministère est quoi? Le Premier ministre. La primature, peut-être, on peut considérer... Non, que... non, Dan, non. Excusez-moi, s'il vous plaît. Non. S'il vous plaît. C'est non. Attends, monsieur. Toi, tu n'as rien à m'apprendre là-dessus. Moi, je suis en train de t'aider parce que tu n'as pas compris. Tu étais dans ceci, tu étais dans cela. Le Premier ministre, là où je suis, Madame Toulouka, n'a pas le droit de prendre de grandes décisions. Il n'est pas encore investi. Il faut que le peuple, à travers ses représentants au sein de l'Assemblée nationale ou du Parlement, l'investisse après être convaincu du programme que Toulouka va présenter avec son gouvernement. Ils vont dire, voilà, nous allons travailler sur ça, sur ça, sur ça, sur ça. Et si les élus sont d'accord, ils vont dire, voilà, on vote et vous avez le pouvoir de mettre en exécution votre programme d'action et voilà, nous serons avec vous pour le contrôle parlementaire. Et c'est comme ça. Et si l'Assemblée nationale, elle est boiteuse parce que le bureau définitif n'était pas encore installé, comment est-ce que le gouvernement pouvait être publié? On pouvait publier juste le gouvernement, c'est fini, on attend que l'Assemblée, les bureaux soient... Monsieur Mardochet, c'est pour finir. Mm. Pour finir, je crois que nous devons... C'est pas pour finir parce que moi, je n'ai pas fini mes minutes. Une dernière question pour que vous puissiez finir. Ouais. On va prendre la deuxième thématique aussi. Ouais. Le chef de l'État investi le 20 janvier, Madame Toulouka, nommée le 1er avril. Mm-hmm. Nous sommes le 27 mai. Mm-hmm. Ça fait 4 mois que le chef de l'État est là. Il n'y a toujours pas de gouvernement. Ouais. La question, c'est est-ce que la cause, c'est la Constitution? Pas le retard, c'est la Constitution. Vous savez, c'est la Constitution qui empêche le chef de l'État d'avoir un gouvernement aussitôt investi, aussitôt son gouvernement aussi installé. Est-ce et qu'on a travaillé. Est-ce que ce n'est pas la Constitution? Non, ce n'est pas du tout la Constitution. C'est quoi alors? La Constitution, il y est pour quelques pourcentages, faible pourcentage. Mais normalement, le problème, c'est quoi? Il y a des arrangements politiques qu'ils vont se faire pour dégager, n'est-ce pas? Il ne faut pas changer la Constitution, alors. Il faut pas toucher à la Constitution. Non, non. C'est pas la Constitution. Moi, je suis d'accord. Ça, ce sont deux sujets qu'on est en train de parler sur deux choses différentes. Les mobiles du changement de la Constitution doivent être énumérés. D'accord. Les faiblesses de la Constitution face à un Congo actuel. Il faut que la Constitution change pour que la nouvelle Constitution s'adapte directement aux réalités congolaises, n'est-ce pas? Et que cela ne puisse pas mettre le pays en insécurité et que ça ne favorise pas l'influence de la communauté internationale sur notre pays à travers quelques dispositions. Ouais. Et cette nouvelle Constitution pourra aussi permettre au Congo de se retirer, n'est-ce pas? De multiples engagements qu'il a fait international pour être autonome et en mesure de respecter sa souveraineté. Et ce n'est pas Tshisekedi qui a mis le pays dans ça. Tshisekedi fait que se battre, n'est-ce pas, pour adapter ce pays, n'est-ce pas, au niveau que le Congo a besoin de devenir. Maintenant, les mobiles de la révision de la Constitution doivent être mis à part. Les causes, n'est-ce pas, d'alourdissement, de fonctionnement des institutions, l'installation des institutions doit aussi être énumérée. Alors, il y a des caprices politiques, des formations politiques au sein de l'Union sacrée de la nation que le chef de l'État a intervenu pour remettre à l'ordre. Vous avez vu que les choses essaient de bien évoluer. D'accord. Et puis de trois. S'il vous plaît. Oui, je finis une chose. Nous devons respecter ce pays. Notre pays, nous devons le respecter. D'accord. Le pays a des juristes très talentueux, des expérimentés qui connaissent comment est-ce que le pays peut bien fonctionner. Pour la plupart, on ne peut pas comparer pour le la plupart, pays. Ils sont politiques. Et leur science parfois est remise Nous ne pouvons pas accepter parce qu'on n'a pas tué dans sa famille. Vous voyez, à l'Est de la République, il y a des gens qui ont perdu les leurs, le corps disséqué en morceaux. Merci beaucoup. Alors, nous ne voulons pas accepter que notre pays soit divisé, coupé et cédé au Rwanda parce que nous subissons de pression. Et cela aussi trouve la force au sein de la Constitution qui est la loi mère. Mieux vaut s'attaquer à la cause qu'aux symptômes, il faut aller à la base pour guérir, pour être en mesure d'avoir un Congo très tranquille et indépendant, que d'avoir un Congo où il y a des opposants affamés, ils ont besoin de faire des bruits, ils peuvent soutenir n'importe quoi parce qu'ils ont besoin de se faire entendre. Merci beaucoup, monsieur Pitot. Je vais finir avec vous, mais on va prendre 2 minutes pour clore. On n'a plus le temps. La Constitution française a été touchée pendant 25 fois. Depuis 1958, la Constitution de la France a été touchée, révisée 25 fois. 25 fois, elle a été touchée. De 58 à aujourd'hui, c'est 66 ans. D'ailleurs, nous, la dictature dans ce pays. 25 fois, elle a été... Le référendum, il a été touché. Merci Dan. J'aimerais appeler à une discussion sereine. Et,
C'est fatigant. Effectivement, Kalala, vous avez raison, j'ai des difficultés. Quand j'étais enseignant à l'université, effectivement, quand j'avais des élèves, des étudiants qui avaient du mal à comprendre, je me mets en difficulté. Effectivement. L'article 217, je le répète, n'a rien à voir avec ces questions sécuritaires. L'article 217 ne met pas en danger notre République. Est-ce que M. Kalala connaît les conflits de la Casamance? Parce qu'il a évoqué la question, nous avons un conflit à l'est de notre pays. Vous connaissez le conflit de la Casamance? C'est au Sénégal. Mais ça, la question de la révision de cet article n'a jamais été évoquée. J'entends mon ami qui dit « Le Congo est un pays très riche. » Toi, tu n'es pas constitutionnaliste. C'est normal que tu comprennes pas l'esprit, n'est-ce pas, de quelques dispositions constitutionnelles. C'est normal. Moi, je vous comprends dans ce sens-là. Vous êtes intellectuel, je vous respecte. Mais je sais qu'il faut aller apprendre. C'est gratuit. Allez-y. Ces petits cours-là, c'est dans des bibliothèques. Va poser des questions. Je vous ai invité à la courtoisie. Je suis très courtois. Je vous respecte beaucoup. Merci, s'il vous plaît. Je vous aide seulement à comprendre. Allez-y, allez-y. Écoutez. Parce que vous ne savez pas vous écouter. Pourquoi est-ce que ces pays africains ont le même article dans leur constitution? Mais mes amis racontent leur vie. Est-ce que vous savez que si vous êtes dans l'ambassade de France, vous n'êtes plus en territoire congolais? Est-ce que vous le savez, Monsieur Kalala? Monsieur... Nous avons les mêmes systèmes constitutionnels. Mais calmez-vous, ne vous agitez pas. Les réalités judiciaires sont différentes parce qu'ils ont les coutumes. Calmez-vous, je parle. Vas-y, vas-y, mon ami. Merci. Vous savez que lorsque vous êtes dans une ambassade, vous n'êtes plus en République démocratique du Congo. Une ambassade qui se trouve dans notre pays, sur notre territoire. Et pourquoi? Moi, je connais ça. C'est toi qui peux aller la prendre. Est-ce que le fait de céder une partie de nos prérogatives dans ces ambassades fait qu'il y a l'insécurité à l'Est? Mais monsieur, soyez sérieux. C'est une autre matière. Mais soyez sérieux. Vous n'y comprenez rien. Posez les questions, on va vous expliquer. L'article 217 se fonde essentiellement sur la gestion d'un ensemble global, sur la gestion des unités, des entités supérieures telles que l'Union africaine, telles que les organisations de la SADC et ainsi de suite. Ça n'a rien à voir. Le problème dans ce pays, comme je l'ai dit, la première des choses, c'est l'incompétence de l'Union sacrée qui bloque la République. C'est l'incompétence. Ils n'arrivent pas à gérer le pays. Ils n'arrivent pas à gouverner la République. Ils ont évoqué leur vie ici. Et j'entends monsieur dire que le Premier ministre est une institution. On marche sur les mains dans ce pays. Et c'est grave. Et monsieur va oser dire qu'il est un praticien du droit. C'est lamentable. Heureusement que M. Tshisekedi a dit que la République était... La justice était malade, et vous êtes un malade. Fayulu ne serait pas d'accord avec toi. Écoutez, parce que tu exposes tes vides. Quand tu dis que ce n'est pas une institution, je m'en moque. Je vous dis ceci, c'est une institution. On va poser la question à celui qui t'a appris. Toi, tu es venu jouer au végétarien, montrer comment tu formules tes phrases. Mais tu n'as pas maîtrisé ce que c'est une institution. C'est une notion que tu dois apprendre, c'est gratuit. S'il vous plaît, Mardouché. Une institution, c'est tout. S'il vous plaît, une institution, c'est tout ce que la personne pense. Mais pour que ce soit institution, ça doit répondre à un certain nombre de critères. Le Premier ministre existe. C'est institué dans les lois de la République. S'il vous plaît, Mardouché, respectez les principes, les règles. Parce que les animateurs passent et l'institution, là, elle reste. Non, on n'est pas la parole. Vous n'avez pas la parole. Vous comprenez des choses. Vous n'avez pas la parole. Et vous dites que j'ai des 30 secondes. Mais ça fait mal. Vous racontez votre vie. Je m'appuie sur des faits. C'est pas ma vie. 30 secondes. Je m'appuie sur des faits. Moi, je vous donne un conseil. S'il vous plaît, va apprendre. C'est gratuit. S'il vous plaît, sur les net, les bibliothèques sont là. Pose des questions dans le couloir. Chez les juristes, ils vont vous expliquer. Peut-être que vous avez la maîtrise en sociologie, mais une matière qui vous dépasse. On perd le temps. On perd le temps. On évolue. Non, c'est juste pour le faire comprendre. On doit clore l'émission, s'il vous plaît. Respectez le temps de votre co-débatteur. Bientôt, vous aurez la parole. Vous allez répliquer. N'interrompez pas, n'interrompez plus, s'il vous plaît. Concluez, s'il vous plaît. Déjà, on aurait dû arrêter les débats lorsqu'il a dit que le Premier ministre était une institution. Mais on casse la destinée. Par courtoisie, par élégance, pour vous, nous continuons le débat. Donc ici, la question de la Constitution n'empêche pas le bon fonctionnement de la République. C'est aussi simple que ça. Je vous ai évoqué tout à l'heure que c'est l'Union sacrée qui a retardé l'installation du bureau définitif. Parce qu'il s'appuie sur la question du bureau définitif pour donner le vote de confiance au gouvernement. Mais c'est eux qui ont retardé l'installation du bureau définitif. Ça préjudice qui? Ils ne peuvent pas... Voilà, écoutez la question qu'ils posent. Mais c'est lamentable. Mais animez, c'est préjudice. Mais posez cette question, s'il vous plaît. Allez, franchement, la République est dans la rue. Le pays est ingouverné. Je suis en train de leur dire qu'après la sortie du gouvernement, si vous me permettez, une minute. Après la sortie du gouvernement, il sera
pas question de la formation des cabinets politiques. La formation des cabinets politiques prendra du temps. Au-delà de la formation des cabinets politiques, si on emmène de nouvelles personnes, il sera essentiel et fondamental qu'elles apprennent leur métier. Et l'apprentissage de leur métier va nous faire perdre une année dans la République. Merci et beaucoup. Monsieur me pose la question, ça préjudicie qui? Merci beaucoup. Sérieux, merci beaucoup, monsieur Trésor Kalala. Le chef de l'État a dit qu'il mettra en place une commission qui va étudier la possibilité de changer la Constitution. Or, la Constitution, les mécanismes de changement constitutionnel sont prévus. En nulle part, on parle de mise en place d'une commission. La question qu'on pose, est-ce que le chef de l'État s'est-il trompé? Non, franchement, comment vous pouvez dire que... Non, c'est un humain, il peut aussi se tromper. Écoutez, c'est une question gentille. Écoutez, l'article 69 de la Constitution nous dit ceci. Ouais. Le président de la République est le garant de la nation, il assume le bon fonctionnement, ok? Et il a plusieurs prérogatives selon que l'article 69 est en train de lui conférer. Écoutez, en tant que bon père de famille, vous voulez lui interdire de jouir de ses prérogatives lorsqu'il est en Belgique? Et d'ailleurs, ici, j'ai entendu au début, on m'a dit que c'est le président qui a soulevé la question. Ce n'est pas le président de la République qui a soulevé la question. C'était des questions qui provenaient de la salle. Qui ont proposé si on pouvait changer la Constitution. Si je peux vous permettre. Si ok. Et c'est face à ce jour-là, le président parle du changement de la Constitution. Si il sent qu'il y a un besoin dans la société, et lequel besoin est en train de toucher à la Constitution, quoi de plus normal que dans ses prérogatives, qu'il rassemble un groupe de personnes pour réfléchir par rapport à la question. Où est le problème? Non, mais écoutez, sinon vous allez me dire demain, est-ce que la Constitution permet au président de manger? Est-ce que la Constitution permet au président de s'habiller? Est-ce que la Constitution permet au président de parler? Non, c'est dans ses prérogatives. Il estime qu'il y a une vraie question dans la société. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. La question, Est-ce que le président de la République peut créer une commission? J'ai dit oui. Est-ce qu'il faut que ça soit noté dans la Constitution? J'ai dit non. Tout ce que le président de la République doit faire n'est pas noté dans la Constitution. Il trouve qu'il y a une vraie question. La procédure. Au sein, s'il vous plaît. Vous voulez jouer au jeu des Chadari. Écoutez, que Chadari ne vous détourne pas parce que là, j'entends Chadari parler en vous. Non. Je chasse l'esprit de Chadari en vous. Écoutez, le président de la République, on ne peut pas lui donner des dictats. Donc, tout ce que lui doit faire doit être accusé de la Constitution. Il a estimé qu'il y a une vraie question au sein de la population par rapport au débat de la Constitution. Et en tant que garant de la nation, il dit « Ok, je vais constituer une commission qui va réfléchir quant à ça. » Où est le problème? Il faut que ça soit autorisé par la Constitution. Ah, j'ai dit non. J'aimerais revenir sur Yves, qui je ne reconnais pas aujourd'hui. Yves, est-ce que vous pouvez nous dire clairement ou réfléchir comme un intello sur l'article 5 de la Constitution? Sur l'article 1er de la Constitution qui définit notre État d'une manière superficielle sans rien à comprendre dedans? Nous sommes un État, on vous dit laïque, on nous donne pas une vraie prison, nous sommes dans quelle forme de l'État? C'est ça la vraie question. Et beaucoup de questions qui se posent au sein de l'opinion, beaucoup de souhaits au sein de l'opinion, quand vous les entendez, vous comprendrez que ça touche à la forme et même au régime politique nous de notre pays. Nous sommes dans l'État unitaire décentralisé. Vous m'avez écouté. C'est ça la forme de l'État. Parlementaire, semi-présidentiel. Décentralisé. Et puis, semi-présidentiel. Ça, c'est un régime. Semi-parlementaire. Et puis, nous sommes dans un régime hybride. Et c'est quoi la forme de notre État? Nous sommes dans un État fédéral? Nous sommes dans un État unitaire? Nous sommes dans un État unitaire décentralisé. C'est ça, la forme de l'État. Vous ne comprenez même pas la question. Mais vous venez en parler à la télé. OK. Ah. Et cette forme-là, vous êtes content de ça? Le Congolais qui nous suivent sont fiers de cette forme de l'État-là? Sont fiers de ce régime politique-là? Et s'ils sont fiers de... Ce sont des vraies questions, comme je disais, ce sont des vraies questions de fond sur lesquelles nous devons nous mettre ensemble, discuter et dégager des solutions. Et c'est comme ça que moi, je suis d'accord que nous devons interroger la population. D'accord. Nous devons aller au référendum. Donc, effectivement, donc, il faut qu'on réfléchisse entre Congolais. Après avoir trouvé des résolutions... entre politiques, par exemple, et on interroge le peuple, et le peuple va se prononcer. Alors, quand on est dans un débat bidon, il veut s'éterniser. Est-ce que c'est la question qui bloque le gouvernement? Est-ce que le prix de maïs... Non, mais ce sont des débats bêtes. Moi, je crois que nous devons aller dans un vrai débat, comme celui-ci. Qu'en pensons-nous de notre forme de l'État? Qu'en pensons-nous par rapport à notre régime politique? Qu'en pensons-nous par rapport à certains articles? D'accord. C'est ça, la vraie question.
l'élection. Merci beaucoup, monsieur Mardochet, bon. Rapidement. Moi, je voudrais dire ceci. Moi, je ne veux pas, excusez-moi, à mon humble avis, nous ne parlons pas du changement de la Constitution. Oui, excusez-moi, je m'explique. Hein? C'est un exercice très difficile que le chef de l'État, peut-être, aura à modifier. Ça m'engage que moi. Mais moi, j'aurais bien voulu qu'on parle de la révision constitutionnelle. Vous savez pourquoi? Parce que le combat de Tien Tshisekedi Wamulumba, c'était d'instaurer le pluralisme politique. Parce que quand il faut changer de constitution, il faut se poser une question. Est-ce que nous allons revenir aux mêmes formes d'État que nous avons, au même régime politique amélioré? Je ne sais pas. Parce que quand on change la constitution, c'est-à-dire on supprime tout ce que nous avons comme institution politique. Vous savez, quand vous allez adopter, n'est-ce pas, une nouvelle forme d'État, vous aurez à adapter les institutions selon la forme d'État que vous avez choisi. Et de trop, vous avez changé votre régime politique. D'où, il y a des questions très importantes. Quand je parle de la révision, c'est-à-dire que nous allons nous atteler sur les faiblesses de la Constitution, n'est-ce pas, qui présentent par rapport aux réalités congolaises. Vous comprenez? Et puis deux, sur le plan politique, le processus ou la voie que nous avons toujours opté pour recruter les animateurs des institutions doit être amélioré pour mettre le principe qui peut nous amener à respecter la personne qu'il faut, la place qu'il faut. Moi, je pense que c'est très important, en quelques lignes, ce qui peut construire les socles, la raison de la révision de la Constitution et non le changement de la Constitution. Parce que ici, il y a des gens qui ont perdu leur vie pour une démarche démocratique. UDPS notamment. Bien sûr, les gens ont perdu des vies, ils sont morts, ainsi de suite. Hein? Et d'ailleurs, le combat là a fait naître les Fayoulou. Ils ont même crédibilisé leur combat politique. En 2011, ils quittent Kabila, voilà, ils viennent Tshisekedi, ils les crédibilisent avec l'UDPS et ainsi de suite. C'est pour vous dire que Félix Antoine Tshisekedi, notre président, n'est pas mal intentionné, n'est-ce pas? Pour dire, voilà, je vais m'éterniser au pouvoir. Non, moi je ne pense pas. Et les décisions, c'est le peuple. C'est ça le souverain primaire. C'est la population qui peut tout influencer à n'importe quel moment pour vous dire nous sommes contre ça, ce sont des papiers que vous avez écrits. Mais nous, population, vu la corruption au niveau des élections des sénateurs, des gouverneurs, et ainsi de suite, vu ceci, la corruption, voilà, c'est la Constitution. S'il vous plaît. Non, ce sont des antivaleurs dans la société que la population n'apprécie pas. La Constitution favorise la Constitution. Maintenant. La Constitution. S'il vous plaît. Mais non. Et maintenant. Il faut mettre en place le mécanisme très fort de suivi pour lutter contre ça. D'où la raison de réviser la Constitution, moi je suis d'accord, parce qu'il y a des dispositions que nous devons supprimer. Il y a aussi des dispositions que nous devons adapter selon l'évolution du pays, selon les besoins et les faiblesses. Je crois que le FIDEC partage notre position et contre les changements de la Constitution. Il a du mal à les dire simplement. Nous sommes d'accord. Moi, je suis d'accord pour tout ce qui construit l'épanouissement de notre pays. Très bien. N'est-ce pas? Le bien-être de la population, la sûreté de notre pays. Très bien. Et autre chose, les questions de sûreté de l'État, nous devons être tous d'accord. Et accompagner le chef de l'État. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, monsieur Trésor Kalala. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, monsieur Mardoché Sélé. Merci beaucoup, monsieur Yubadjoko. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs. Le débat continue chez vous à la maison. Pensez-vous qu'il y a opportunité de changer la Constitution? Répondez-vous, écrivez-nous à nos différentes adresses. À demain. Yangande ko mbote biso na bino to batila mami na document oyo document oyo to bengi yango compromis de vente yango eza contrat o eza ko protéger yo pe eza ko protéger biso objectif habitat na kati ya contrat na biso na 6e article na yango balobi yete na suka sanza nyonso ndeko yo lapinda yete okopesa kambongo na yo ya syndic mbongo ya syndic eza pona nini eza pona entretien ya concession. Pour ça, pour la garde, il y a concession. Bah, tout le monde qui est dans la cité, tu es tous à la police, tous à la garde. Nous sommes dans la carte, il y a frais, il y a syndic. Pour la concession, il y a la kitoko. Pour la bandila, il y a la claire. Pour la matite, il y a la thé. Pour la police, il y a la. Pour la sécurité, et c'est un cœur. Bon, il y a syndic qui est un peu ça. Kasi ndeko ozolanda biso, depuis Osomba na 2020, depuis Osomba na 2021, est-ce que osa en ordre na ba frère syndic to yebite? Frère syndic ezalaka $20 le mois, pe $240 l'année. Yango sika, objectif habitat et beleli na ba acquéreur na enyonso.
Moutounion soit ebi qui a somba la cité maman Moussika. Oyaza en ordre n'a pas paiement nyonso. Oyesi a sirisa. Oyaza ko continue na nyongo. Tope oyo. Aza koutou déjà na mikanda wa salaki mutation. A partir ya lundi, moutou a kozala en ordre te na freya syndic. A kozala lissous ou na accès na ba cité maman Moussika te. To précisé. A partir ya lundi, accès pe kisami. Nande konyo soit en ordre T, na 6e article, il y a compromis de vente, nabiso, à cause de l'issue, na accès, na katia cité, maman, mon secrétaire. Tokope sa va tout ba badge, tokope sa va tout ba document, oye koza kope sa yo, autorisation, ya kokende na katia cité, ya kola ki sa ba policier, ya kola ki sa ba garde, pote ba mona, que yo za en ordre, pe oza na katia accès. Tobongisa musala na biso pomboka ekende liboso pona nyonso objectif ekoba po se plesa bino ba oyaye ba kerar. Merci. Objectif Habitat, votre objectif.